Paul est une entreprise aujourd'hui qui compte 8000 collaborateurs, 400 magasins, dont 300 en France. Au Royaume-Uni aujourd'hui, Paul compte 24 magasins et notre première implantation date de 2000. On a de vastes projets, continuer nos implantations sur le cœur de Londres à raison d'à peu près une dizaine d'ouvertures par an, des très beaux projets avec les autorités, des aéroports, des gares et pourquoi pas des autoroutes pour réussir sur le Royaume-Uni ce que Paul a réussi en France, car Paul aujourd'hui est le premier opérateur de boulangerie sur les marchés concédés. Paul avait souhaité ouvrir fin des années 80 sur le Royaume-Uni. Nous avons terminé au bout de 8 mois. Ça n'a pas fonctionné parce que nous n'avons pas appréhendé les spécificités du marché. La deuxième fois, nous y sommes allés avec UK Trade and Investment. Ces équipes se sont totalement dédiées à notre projet et nous ont donc permis de trouver le bon emplacement, d'appréhender les spécificités, de trouver les personnes qui étaient capables de nous accompagner. On continue de s'appuyer sur UK Trade and Investment. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la durée et je crois que c'est pour moi vraiment la clé du succès aussi. Le marché britannique, c'est un marché qui est important pour toute entreprise qui veut s'internationaliser. Le Royaume-Uni dépasse aujourd'hui le Japon, c'est le deuxième marché après la France. Nos partenaires des pays du Golfe, comme le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou Dubaï, par exemple, étaient venus voir nos implantations au Royaume-Uni. Donc oui, moi je pense qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni est une très belle porte, une très belle passerelle avec le reste des marchés, y compris ceux qui ne sont pas anglo-saxons. En dépit de la proximité de nos marchés et puis la proximité géographique, le Royaume-Uni est bien un pays à part entière avec ses propres règles, sa propre culture. Et je suis intimement persuadé qu'on peut apprendre cela et l'anticiper et le prévoir en lien avec les équipes de UK Trade and Investment qui indéniablement peuvent nous apporter l'éclairage nécessaire sur la compréhension de ce marché. Allons-y, il faut y aller, mais il faut y aller ensemble et je pense que c'est la clé du succès.